Ok, donc dans cette vidéo, je vais te montrer les factures que j'ai pu vendre à des clients, des prestations que j'ai vendues à des clients pour qu'on puisse les comparer et voir un petit peu les différences en fonction des prix et voir surtout ce qui est possible de vendre quand on est copywriter en 2025. Ok, donc on passe sur mon écran. Donc on voit, donc j'ai flouté forcément le client, j'ai flouté des choses qui étaient importantes, je peux pas tout montrer forcément, j'ai aussi flouté mon adresse, enfin j'ai flouté mon numéro de téléphone, j'ai flouté plein de trucs, forcément. Donc là on voit première facture, donc là on est sur un total de 5000 euros hors taxe, donc c'était vraiment un super mois ce mois-ci, c'était en 2022, donc le 4/11/2022. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour ce client? Donc c'était de l'email marketing, je devais créer 10 emails pour le Black Friday. Je devais aussi créer création des emails de séquences. Donc il y avait une séquence email de bienvenue, une séquence email de panier abandonné, une séquence email de navigation, une séquence email de post-achat et une séquence email de win-back, plus encore une fois 10 emails pour le Black Friday. Alors je tiens juste à dire que aujourd'hui je facturerais ça tellement plus cher. C'était une de mes premières missions en email marketing, mais en attendant, ça m'a quand même permis de signer 5000 euros cette mission, ce qui est absolument, absolument cool. J'aurais jamais pensé à l'époque signer des missions à 5000 euros. Donc on voit que c'est possible de faire de l'email marketing et de générer ces sommes en email marketing. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, on voit que c'est une facture, une facture à 3250 euros hors taxe, donc 3900 euros TTC. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, c'est de la stratégie emailing sur Klaviyo. Donc, Klaviyo, c'est un logiciel d'email marketing. Donc, on voit que j'ai commencé par 90 minutes d'onboarding avec mon client. J'ai aussi, je vais zoomer un petit peu, j'ai aussi, donc voilà, création de la stratégie globale, donc éditoriale, le ton, la segmentation, l'exclusion, le copywriting, etc. Intégration de Klaviyo à Calendly via Make, donc ça, c'est deux outils qu'on utilise parfois en email marketing pour faire un peu de l'automatisation. Création des séquences email essentielles, donc bienvenue, panier abandonné, post-achat, donc il y avait 11 emails au total. On intègre ça sur Klaviyo. Rédaction des flows d'emails via Calendly, donc ça fait 7 emails en plus, c'est-à-dire voilà, vous avez bien pris rendez-vous, votre rendez-vous est confirmé, votre rendez-vous arrive dans quelques heures, bref, tout ça, tout ça. Ensuite, l'intégration, ensuite mise en place des bonnes pratiques de délivrabilité, ensuite passer sur une adresse email d'envoi dédiée d'ici quelques semaines et enfin un reporting en fin de mois. Donc j'ai vendu ça à 3900 euros, ce qui fait 3250 euros et c'était le 25/9/2023. Donc encore une fois, aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais pu facturer tellement plus cher. Quand je vois les résultats qu'on a eu avec ce client, c'est assez dingue, mais c'est comme ça. En tout cas, à cette époque-là, j'étais à l'aise de vendre cette prestation à ce prix-là. Donc, c'est tout à fait normal. Ensuite, on voit que c'est là une facture à 3000 euros, combien ? 3600 euros TTC, donc 3000 euros hors taxe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour ce client ? Donc, c'est le 24/3/2024. Donc, prestation emailing, séquence email automatisée plus migration vers Klaviyo. Donc, migration Brevo vers Klaviyo, setup complet de Klaviyo, amélioration de la délivrabilité des emails, très très important quand on fait de l'email marketing. Segmentation de la base email, créer un pop-up pour récolter les adresses email en échange d'un code promo de 5%, créer les 4 séquences email les plus importantes en e-commerce, donc bienvenue, panier abandonné, post-achat, abandon de navigation, intégration des séquences email sur Klaviyo et donc reporting en fin de mois. Donc ça, j'ai fait une facture à 3000 euros hors taxe, on va dire dans ma poche, avant URSSAF, bien entendu, la faucheuse comme j'aime bien l'appeler. Donc voilà, donc encore une fois, c'est assez cool de pouvoir vendre des tickets à 3000 euros hors taxe. Bien sûr, j'aurais pu vendre plus cher, bien sûr, j'aurais pu vendre moins cher. En tous les cas, à cette époque-là, j'étais à l'aise avec le fait de le vendre 3000 euros. Ce qui est marrant pour la petite histoire, c'est que ce client, il générait. On a bossé ensemble, je crois qu'on était entre 80 et 85 000 euros chaque mois grâce aux séquences email que j'ai créées, donc qui étaient attribuées à l'email marketing. Donc ce client faisait un petit peu plus de 300 000 euros, je crois, par mois. Donc c'était juste trop cool en fait. Le mec, il a posé 3000 euros pour ma prestation et derrière chaque mois il générait 80 000 euros grâce aux emails que j'ai créés. Donc c'était hyper simple à vendre, je suis sûr que j'aurais pu même le vendre 4000 euros, ça serait passé. En tout cas, j'en ai fait une énorme étude de cas pour montrer à mes futurs clients comment je peux les aider et pourquoi ils seraient à même de payer 4, 5 000 voire même 6 000 euros cette prestation si derrière je peux les aider à faire 80 000 euros chaque mois de manière automatisée. Donc ça, c'est assez cool. Ensuite, on voit que là, j'ai une facture à 2600 euros. Donc pour la petite histoire, c'est un client en Nouvelle-Zélande, qui venait sur le marché français, qui voulait pénétrer le marché français. Et c'était une super mission. C'était une mission récurrente. Je crois que j'ai bossé avec un an et demi. Donc pendant un an et demi, il me payait ces prix-là quasiment. Donc c'était vraiment incroyable. Donc ça, c'était en 2022, donc au mois de février 2022.
Donc, je faisais des articles de blog, plus des posts pour les réseaux sociaux, et j'avais offert un petit email cette fois-ci. Donc, article 1, article 2, donc là, 7 articles plus 7 posts pour mettre en avant ces articles sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, on relayait les articles sur les réseaux sociaux, et puis un petit email marketing offert dans la séquence email qu'ils avaient déjà en place. Donc, j'avais vendu ça, 2960 euros. Je payais pas la TVA, enfin, je facturais pas la TVA à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas la TVA. Mais en tout cas, voilà, 2960 euros dans ma poche. Chaque mois, c'est ce que ce client me payait. Ensuite, on voit qu'une facture à 2300 euros en 2022, donc là, c'est une stratégie mailing B2C. Donc, création d'une séquence email de bienvenue, de panier abandonné, de post-achat. J'avais vendu ça 2760 euros. Donc là, j'avais passé la TVA, donc je facturais la TVA cette fois-ci. Donc, on voit qu'il y a 460 euros de TVA. Donc, 2300 euros dans ma poche. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour faire ces emails, mais en tout cas, pas très longtemps. Donc, c'est ça qui est cool. Encore une fois, si tu as un client ou même deux comme ça, ben, chaque mois, ça te permet de stabiliser 4 000 euros, voire 5 000 si ça se passe bien, ou même 3 en fait, au pire du pire du pire. Donc, encore une fois, ces clients-là, il y en a. Il y a énormément de gens qui veulent bosser avec des copywriters pour faire de l'email marketing. Et c'est largement possible si c'est ce que vous cherchez aujourd'hui. Facture à 2 000 euros. Qu'est-ce que j'ai fait ce coup-ci? Accompagnement LinkedIn. Donc pour ce prospect, enfin pour ce client, pardon, je faisais deux posts LinkedIn par semaine. Je faisais 1 heure de ce que j'appelle community management par jour, c'est-à-dire que j'allais sur son profil LinkedIn, sur son profil LinkedIn, je commentais, je faisais un petit peu la modération, je regardais un peu ce qui se faisait. Quand il y avait des personnes qui visitaient le site, enfin le profil de mon client, je leur envoyais un petit message, j'essayais de faire un peu de setting, et derrière j'envoyais ces personnes en rendez-vous vers mon client pour qu'ils signent des deals comme ça. Voilà, un petit peu un reporting des KPI aussi en fin de mois, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé, combien on a fait de vues, combien on a généré de rendez-vous, voilà. Donc encore une fois, deux posts par semaine, 1 heure de community management par jour, je veux dire, ça ne me prenait pas énormément de temps et je facturais ça 2 000 euros hors taxes par mois. Donc plutôt une mission sympathique qui paye plutôt bien, moi j'étais assez content et donc ça on voit que c'était le 9 2024. Donc très cool pour ça. Ensuite, une petite facture à 1 900 euros. Donc là, on était en 2022, donc mai 2022. Donc création et publication de post LinkedIn sur la page. Donc là, c'était une page entreprise à l'époque. Donc ça, je facturais ça 1 900 euros. Je facturais pas la TVA, je vois. Donc c'était encore un peu tôt dans le développement de mon entreprise. Donc voilà, je facturais ça. Je faisais combien de posts? Un post plus intégration. 14 posts dans le mois. Je faisais. Je facturais ça 140 euros par post. Donc plutôt cool. En tout cas, c'est mes débuts, donc moi j'étais content. J'étais aussi payé à la performance, c'est-à-dire que si un post dépassait les 1 000 vues, j'ajoutais 10 euros par post. Et comme 3 des posts que j'avais fait sur la page entreprise avaient dépassé les 1 000 vues, ça avait ajouté 30 euros à la prestation. Donc 1960 euros plus 30 euros, ça faisait 1990 euros. Voilà, c'était une petite variable que j'avais mise dans le contrat. Le client avait accepté parce qu'il était d'accord avec ça. Donc c'était super cool. Déjà, c'est 1990 euros et pas 1900, donc 1990 euros. Et enfin, une facture à 200 euros pour voir un peu les contrastes aussi de ce qu'il est possible de faire. Là, c'était un workshop emailing d'1 heure. Donc, j'avais vendu mon heure à 200 euros. Non, 180 euros, pardon. 180 euros et ça faisait 150 euros hors taxe. Voilà, c'est ça, 150 euros hors taxe. Donc, c'était un petit workshop emailing, c'est-à-dire que mon client, il avait besoin de monter en compétence en emailing. Donc, il me posait des questions. J'ai regardé sa séquence email. On a avancé un peu comme ça pendant 1 heure. Et donc, ça permet de vendre 1 heure 150 euros. Et donc, c'est assez intéressant. Ça permet de. Tu prépares rien en amont, en fait. C'est-à-dire que la personne prend rendez-vous dans ton agenda. Tu lui envoies un lien de paiement. La personne paye. Et elle arrive avec toutes ses questions. Toi, tu prépares rien. Tu l'aides. Et ça, c'est plutôt sympa. Ça permet de, voilà, de temps en temps faire un petit pic de trésorerie quand on en a besoin. Surtout qu'on a des compétences quand on est copywriter. On peut les monétiser de plein de manières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce client-là avec qui j'ai travaillé, il n'avait pas les moyens pour prendre un accompagnement avec moi. Donc je lui dis, écoute, pas de problème, t'as pas les moyens. Si tu veux, on peut le faire ensemble. Il m'a dit, ah bah ça fait encore un peu cher et tout, j'ai pas trop les moyens. Bah, je lui dis, bah si tu veux, je peux te vendre 1 heure de consulting. Tu me poses toutes tes questions, je te fais avancer là-dessus. Et en fait, on faisait des heures comme ça une fois par mois. Donc une fois par mois, on prenait un rendez-vous ensemble et je lui répondais à toutes ses questions et je le faisais monter en compétence sur la partie emailing. Et derrière, il était hyper content parce que ça lui coûtait pas excessivement cher, mais ça lui apportait une valeur qui était intéressante. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire, on peut toujours vendre quelque chose à quelqu'un. S'il n'a pas les moyens de prendre la prestation complète, on peut lui proposer une prestation un peu inférieure, c'est-à-dire au lieu que ce soit une prestation done for you, ça peut être une prestation done with you. Et derrière,
Si la personne n'a toujours pas le budget, on peut lui vendre une heure de consulting, ça c'est intéressant. Ou encore un workshop ou peu importe. Donc voilà pour les factures que j'ai pu vendre à des clients. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura surtout inspiré, te montrer que c'est possible. En aucun cas je fais cette vidéo pour me la péter, pour flex ou quoi, rien du tout, c'est pas ça. C'est juste pour te montrer que c'est possible en fait de vivre du copywriting. Et voilà, j'espère que t'as intéressé. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Likez la vidéo si elle t'a plu et la commenter aussi. Et moi je te dis à très vite pour la prochaine. Ciao!